La nuit dernière m'est apparu en songe le père de la patrie. Avec les ailes d'un ange, comme Gabriel à Marie. J'ai cru un instant que je rêvais, mais force m'était d'admettre ici que ce n'était point folie. Telle une harpe, une douce mélodie me fit prendre conscience, telle une épiphanie. Paul, réveille-toi, arrête de paresser. Mais 3 heures du matin, père Lucien. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Tu diras ça à ta gang de flancs amour. Puis à Xavier Café en particulier. Paul, tu me déçois. T'étais un bon garçon, je me rappelle. T'allais même à la messe le dimanche de Pâques avec tes parents. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, père Lucien, je suis un enfant, j'ai grandi, hein. À quoi ça sert de défendre votre belle nation catholique si c'est pour la vendre aux plus offrants, aux pétrolières puis aux marchands de cancer? Tais-toi, petit impertinent. Tu commences à ressembler à ton mentor, là. Le maudit caddie. Puis quoi penser de la David, puis de Manon Massé? Ce monde-là, ça ne même pas s'habiller comme du monde. Paul, je suis ici pour te demander de rentrer dans le rang. Puis de voter PQ. Oh non, non, s'il vous plaît, là. Non, non, je voterai pas pour un parti qui convient pas à mes valeurs, qui représente, comme le Parti libéral, là, comme le Parti libéral, qui représente tout ce que je déteste de la politique. Hein? La langue de bois. Vous vous rappelez des élections à date fixe? On en a-tu des élections à date fixe? Pourquoi je voterais pour un parti qui dit tout et son contraire? Pour le pays, mon petit Paul! Je suis tanné, père Lucien, d'être pris otage par le PQ, tandis que les fédéralistes ou les anglos vont être pris en otage par le PLQ. Mais voyons, il y a de la place pour tout le monde dans le PQ. C'est une coalition arc-en-ciel, mon petit tortus rêveur, là. Je le sais, moi. Je le vois tous les jours, l'arc-en-ciel. Bon, ben, je peux vous demander, hein, de quelle couleur il a? L'arc-en-ciel? Bleu. Non, mais, je veux dire, à côté du bleu, il doit bien avoir une... Bleu! Oh non, tiens, vous avez raison. Il y a une autre couleur. Il y a pas un petit triangle vert aussi? Ah! Ça, c'est pour faire taire les petits rêveurs dans ton genre. Père Lucien, on a le dos au mur. Le temps est venu de juste sauver notre peau, de survivre. C'est plus le temps de tergiverser. C'est plus le temps des mesures qui veulent ménager la santé des gens et le portefeuille de vos patrons. Il faut nous sortir du pétrole pour renverser la vapeur. Vous pensez pas que le système néolibéral avale tout? Notre terre, notre argent, nos santé, nos âmes? Parle-moi pas d'âme. T'as juste à aller à convaincre plus souvent. Et qu'est-ce que vous dites? De l'écart des classes sociales? L'écart entre les riches et les pauvres qui s'agrandit sans cesse? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, le père Lucien? Comme d'habitude. Que la finance veut que je fasse. Justement, ben parlant de finance, nous autres à QS, hein, on veut récupérer ce qui nous vient de droit, aller chercher de l'argent aux banques, pas en privatisant comme le veut le PLQ et la CAQ, là. Encore des lubies! Il nous faut le pays, mon petit Paul! J'ai discuté avec des gens pendant des années pour les convaincre que le nationalisme québécois en était un d'ouverture, de libération nationale. Comment le faire maintenant que le PQ est allé gratter dans le fond du chaudron pour nous faire décoller les halapards puis les préjugés pognés dans le fond? C'est foutu. Vous avez gâché la soupe. On va attendre des conditions gagnantes. J'ai peur, père Lucien. Nous autres, on propose une vraie façon inclusive d'y parvenir. C'est trop compliqué. Vous n'avez aucun argument, délibé. C'est pas fondé. Macramé, communautaire, orange, moustache, sandales avec des bas de laine, utopiste, division du vote, division du vote, division du vote. Bon, père Lucien, vous transpirez. Vous avez peur? Non. Avec Picopé, on n'a plus peur de rien. Vous avez pas peur de la concentration des pouvoirs, par hasard? Peu importe. Peu importe. Vraiment. Peu importe. Très bien. Mais je vais voter pragmatique, père Lucien. Bon.
Enfin, de la musique à mes oreilles. J'ai voté pour une manière de faire l'indifférence qui a une vraie chance de l'emporter. Il était temps. J'ai voté pour un parti qui me représente entièrement. Pas juste l'indépendantiste en moi, là. J'ai voté QS. Ça, c'est une vraie stratégie pour le futur. C'était quoi la main?